Ma soeur, mon frère, ma maman, mon papa, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin pour la vie qu'il t'a accordée, pour la santé qu'il t'a donnée. Laisse-moi te dire, si tu vis, si tu as encore la source de vie en toi, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Parce que beaucoup d'hommes comme toi, ils se sont couchés hier, mais ce matin ils n'ont pas pu réveiller. Il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont paralysés, il y a d'autres qui sont couchés sur le lit de l'hôpital. Il n'y a personne qui s'occupait d'eux, mais par son amour, par sa beauté. Si tu aimes Jésus, partout où tu te trouves dans le monde, acclame-le de tout ton cœur. J'ai un homme. Nous ne sommes pas venus prêcher un prophète. Nous ne sommes pas venus prêcher un pasteur. Nous sommes venus annoncer la bonne nouvelle. Que la parole de Dieu, que le Saint Esprit, la parole de vie, lui la main qui s'est donné sacrifice pour toi, lui la main qui a versé son sang pour toi, lui la main qui est mort à la croix pour toi, lui la main qui s'est rendu malédiction afin que tu sois sous des bénédictions. Lui la main qui s'est rendu malheureux afin que tu sois heureux. Lui la main qui a créé le ciel et la terre. Lui la main qui t'a créé à son image. Lui la main qui t'a aimé. Et il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de son autorité. De sa puissance. Et il est descendu sur la terre. Parce qu'il a vu la souffrance de l'homme. Il a vu que l'homme qu'il a créé à son image, il était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Il faut qu'il descende. Il faut qu'il prend un corps pour pouvoir sauver l'humanité. Regarde son amour pour toi. Ce que tes parents ne peuvent pas faire pour toi. Ce que ton mari ne peut pas faire pour toi. Ce que tes enfants ne peuvent pas faire pour toi. Mais lui, il a fait pour toi. Mais lui, il a fait pour toi. C'est pourquoi ce matin, j'exhorte mon frère, j'exhorte ma soeur, donnez ta vie à Jésus. Donnez ta vie à Jésus. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Si tu n'es pas Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, c'est accepter Jésus. Pour lui donner ta vie. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Tu ne sais pas à quel moment la mort va venir te chercher. Tu ne sais pas à quel moment la trompette va venir, la trompette va sonner pour toi. Laisse-moi te dire, à l'instant même, nous savons à quelle heure il fait. Mais dans quelques minutes, tu ne sais pas ce qui va se passer. Oui, tu es venu en bonne santé à ce matin, mais tu ne sais pas si tu vas te retourner à la maison. Quelqu'un, tu es venu. Parce que tu n'es pas le maître de ton souffle. Pour pouvoir le retenir, tu n'as aucune puissance sur les jours de la mort. La mort va venir frapper ta porte. Tu ne peux pas dire la mort. Aujourd'hui, moi je ne suis pas encore prêt. Attends que je serai prêt. Je te ferai signe. Je te ferai signe. Tu me hais, non, 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 non. Tu ne peux pas retenir la mort. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur. À donner ta vie à Jésus. Seigneur, Jésus t'aime. Jésus Christ, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a vu que trop longtemps. Tu vivais dans l'ignorance. Tu ne le connais pas. C'est pourquoi
ce matin. Tu te dis, c'est lui qui est ton créateur. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te donner la vie. C'est lui seul qui peut te décharger de tes fardeaux. C'est lui seul qui peut te guérir de tes maladies. Bien aimé. Pourquoi vous? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie en toi. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie à toi. Parce que c'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, son nom, mon frère. Pourquoi vous? Ma soeur. Pourquoi? Mon papa. Maja. Maman. Moro. Si tu as tenté d'adorer un Dieu, qui ne confesse pendant du Seigneur Jésus. Et puis, de Jésus. Jésus Christ, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. C'est le moment de venir à Jésus. C'est le moment de l'accepter. C'est le moment.